fait, hein, même si Obama interdit le cynisme, il faut quand même avoir des réserves, qu'on peut sauver la planète alors qu'on a déjà du mal à sauver le pays et même pire les banlieues. Mais en fait, tout est lié. Ah ! Non, mais tout est lié. On peut sauver les banlieues, la planète, l'humanité si on est capable de se mettre ensemble. Il faut de la conscience. C'était le cas hier. Bon, mais si on se met ensemble pour partager un constat, bon, c'est une première étape, mais enfin, le constat, ça fait un moment. Si on se met ensemble pour penser un nouveau modèle économique qui soit basé sur le partage et non pas la concentration des richesses, donc il va chercher là où l'argent est et non pas là où l'argent n'est plus, peut-être que là, on peut régler les problèmes des banlieues comme les problèmes de l'Afrique. Il faut une volonté et une vision collective. Pas encore totalement à l'ordre du jour, mais... Je sais, il faudrait que les chefs d'État reviennent le dernier jour aussi, parce que là, ils arrivent, ils font les beaux, ils paradent, et puis ils laissent leur petite délégation... Non, enfin, bon... Il y a un peu de ça, il y a un peu de ça, j'en parlais avec Borloo, je l'ai croisé dans la rue... Engrangeons déjà ce qui va dans le bon sens, comme vous dites, mais en même temps, il faudrait faire des formats un peu plus réduits, avec ceux qui ont vraiment le pouvoir, les enfermer, je ne sais pas, à Versailles, au château de Rambouillet, créer une relation personnelle, sortir de la com... Sortir de la com, c'est complètement utopique. Relever les manches, il y a 4-5 sujets, enfin, c'est ça qui est terrible. Parce que hier, j'ai bien écouté les discours, j'ai lu entre les lignes, vu que j'étais bloqué sur le parking, j'ai tout écouté sur France Info. Mais non, la sécurité ne marche pas parce que vous ont laissé rentrer. Il y a une faille. Non, parce qu'ils m'ont interdit de rentrer moi, mais j'en parlais avec Borloo, ils ont aussi bloqué sur le parking le ministre des Affaires étrangères du Honduras. Et lui, je peux vous dire qu'au niveau de l'accord contraignant, 2 heures à attendre passer Obama, il commençait à se tâter un peu. Ouais, mais bon, il y a forcément des petits trucs qui ne marchent pas. Enfin, globalement, c'était quand même bien organisé. Encore une fois, accueillons ce moment d'œcuménisme, mais ne restons surtout pas là.